Cet remède maison pour de beaux cheveux qui sentent bon l'aspect des cheveux est très important dans l'équilibre naturel de la beauté du corps, c'est pourquoi il est important de bien les soigner. Les problèmes surviennent lorsqu'ils deviennent secs, fragiles et qu'ils ne sentent pas bon. Les causes peuvent être variées, telles que des pellicules, un excès de chaleur ou de produits chimiques, un manque d'hygiène ou la présence de mycoses ou d'infections. Dans cet article, nous allons partager avec vous certains remèdes qui vous permettront d'embellir vos cheveux. Le jus de tomate, le tomate est un niveleur naturel du péage qui agit comme un nettoyant et qui laisse un bon arôme dans les cheveux. La quantité de jus de tomate que vous utiliserez dépendra de la longueur et de l'épaisseur de vos cheveux. Le jus doit être naturel car celui que vous achetez au supermarché contient des conservateurs qui peuvent endommager vos cheveux. Comment procéder? Une fois que le jus est prêt, commencez à l'appliquer en faisant un petit massage des racines aux pointes des cheveux. Laissez agir pendant 30 minutes. Lavez-vous les cheveux avec du shampoing doux. Ce traitement qui rendra vos cheveux brillants et soyeux peut être appliqué deux fois par semaine. La vodka la vodka ne sert pas seulement à préparer de délicieux cocktails et passer de bons moments entre amis. Elle permet également à vos cheveux d'être plus propres, d'avoir une meilleure odeur et stimule leur pouce. Ingrédients 1 cuilleré de vodka, 250 ml d'eau. Comment procéder Mélangez la vodka et appliquez-la sur les cheveux. Attendez 10 minutes et lavez-vous les cheveux comme d'habitude. Répétez le procédé toutes les semaines. vera si vous avez des problèmes de chute de cheveux, de pellicules, d'excès de graisse et de mauvaise odeur, l'aloe vera est votre meilleur allié. Vous devez seulement l'utiliser une fois par semaine pour jouir de ses bienfaits. Ingrédients 1 quart de tasse d'aloe vera nature. Comment procéder? Appliquez l'aloe vera sur vos cheveux. Laissez reposer pendant 15 minutes. Lavez vos cheveux avec du shampoing et de l'eau tiède. Le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est l'un des ingrédients indispensables de la cuisine grâce à ses usages multiples. En ce qui concerne les cheveux, il permet d'éliminer les odeurs désagréables et la graisse excessive. Ingrédients, 3 doses d'eau, 1 dose de bicarbonate Dessous de la quantité finale devra dépendre de la longueur de vos cheveux. Il est conseillé de commencer avec peu de quantité et d'augmenter petit à petit selon les besoins. Comment procéder Mélangez les ingrédients jusqu'à la création d'une pâte homogène. Mouillez vos cheveux et retirez l'excès d'eau avec une serviette pour qu'ils soient humides. Appliquez le mélange et laissez reposer pendant 5 minutes. Rincez bien à l'eau tiède. Ce remède peut être utilisé une fois par semaine. Le vinaigre de pomme. Le vinaigre de pomme restaure le pH de vos cheveux, lutte contre les frisettes et les rend brillants. Il est idéal pour éliminer n'importe quel ingrédient qui provoquerait une mauvaise odeur. Ingrédients un demi et de vinaigre de pomme, une tasse d'eau (250 ml). Comment procéder Mélangez les deux ingrédients. Versez le mélange sur les cheveux secs et laissez agir pendant quelques minutes. Lavez-vous les cheveux comme vous en avez l'habitude. Le jus de citron Le jus de citron est un ingrédient aux incroyables bienfaits pour le corps et les cheveux. En plus de nettoyer, il vous aide à combattre naturellement les pellicules et les infections. De plus, il apporte un arôme frais aux cheveux ainsi qu'une texture très douce. Ingrédients, le jus de deux citrons, une tasse d'eau, 250 ml. Comment procéder? Mélangez les deux ingrédients et appliquez-les sur les cheveux. Laissez agir le mélange pendant deux minutes. Appliquez le shampoing et lavez-vous les cheveux comme à votre habitude. Il est conseillé d'utiliser ce remède seulement une fois par semaine. L'usage excessif de citron peut générer la décoloration de vos cheveux. En revanche, si vous avez l'intention d'éclaircir vos cheveux, vous pouvez appliquer ce remède plusieurs fois par semaine. Le miel et la cannelle La cannelle et le miel ont des propriétés antifongiques et antibactériennes très utiles Vous disposez de deux options pour cette recette. La première est de consommer le mélange de ces deux ingrédients au quotidien. Dans ce cas, la cannelle doit être la plus fraîche possible et vous pouvez préparer ce remède sous forme d'infusion ou en mélangeant tout simplement ces deux ingrédients. La deuxième option, la plus recommandée, est la suivante. Ingrédients 1 demi-cuilleré de cannelle en poudre 10 g, une tasse d'eau bouillante, 250 g, 1 cuilleré de miel d'abeille 7,5 g. Comment procéder Mélangez la cannelle en poudre avec l'eau bouillante. Laissez le mélange reposer pendant 20 à 25 minutes, appliquez le mélange sur les cheveux et assurez-vous de bien les envelopper. Attendez 45 minutes et lavez-les avec un shampoing doux et de l'eau tiède. Remarque, ce masque peut éclaircir vos cheveux, son usage excessif n'est donc pas recommandé. Quelques conseils supplémentaires, les remèdes que nous vous avons énumérés sont incroyables. Cependant, vous devez prendre en compte certaines règles basiques si vous désirez avoir de beaux cheveux qui sentent bon en permanence. Suivez ces conseils, lavez-vous les cheveux fréquemment, mais pas de manière excessive. Changez et lavez fréquemment la housse de votre oreiller, la serviette avec laquelle vous vous séchez les cheveux et votre brosse. Évitez de consommer des quantités exagérées d'ail et d'oignons. Suivez un régime alimentaire équilibré, buvez beaucoup d'eau. Évitez d'utiliser un après-shampooing sur les racines des cheveux. Utilisez un shampoing contenant de l'acide salicylique et du sulfure. Évitez de vous brosser à l'excès quand vous avez des pellicules pour éviter que les lieux sains ne soient contaminés. Comme vous avez pu le constater, maintenir de beaux cheveux qui sentent bon n'est pas quelque chose d'aussi compliqué qu'il n'y paraît.